Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit direct spontané aujourd'hui. Une belle journée pour moi où je ressens beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, j'ai reçu enfin mon livre que j'ai mis tant de mois à relire et relire et à corriger par rapport à ma mère, par rapport au fait que j'ai perdu ma mère il y a plus de 20 ans et j'ai eu envie justement de tracer les différentes étapes du deuil. Lorsqu'on perd un être cher, et voilà, donc le paquet est là, il est devant mes yeux. J'en ai commandé 50, n'hésitez pas si vous avez envie justement de commander le livre pour une personne de votre entourage qui éprouverait le besoin justement de pouvoir s'apaiser en lisant justement ce livre-là qui s'appelle Perdre sa mère, entre vie et mort, cœur en errance. Voilà, donc je suis toute souriante parce que je ressens beaucoup d'émotions d'avoir reçu le livre. Et voilà, donc peut-être que je vais avoir les larmes aux yeux, mais ce n'est pas grave, ce sont de belles larmes, de belles émotions, parce que j'ai vraiment eu envie d'écrire un livre concernant ma mère. Et puis je me suis dit que ça allait justement pouvoir aider différentes personnes, parce que quand on perd un être cher, on n'a pas toujours envie de parler, d'échanger. Généralement, ce qu'on veut, c'est être seul. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à faire le deuil de ma mère, j'ai eu vraiment une période où j'avais vraiment eu besoin d'être seule. Et je pense qu'à ce moment-là donné, de pouvoir lire un livre justement qui pourrait m'aider à traverser les différentes étapes du deuil, ça m'aurait bien aidé. Donc voilà, et puis je suis toute émue. Je remercie toutes les personnes qui ont été proches de moi durant cette période, qui ont lu et relu le livre, qui m'ont donné leur point de vue avant qu'il soit publié. Je remercie aussi les éditions Maya aussi pour l'avoir publié. Et voilà, je suis pleine d'émotions, donc je vais couper le direct là parce que je me sens pleine d'émotions. Après, voilà, c'est aussi vous montrer aussi que j'ai les émotions et je les exprime. Et voilà, je pense beaucoup à ma mère en fait. Et si vous voulez, dedans, il y a une petite photo de ma maman quand elle avait 16 ans. Voilà, je vous la montre ici. Et j'ai beaucoup d'émotions de la revoir. Et j'espère vraiment que ce livre va pouvoir apporter beaucoup d'aide et de soutien à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!